À vous, Marc. Prêt? Cuisiner! Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde, Kagal et moi. Vous êtes sur ma chaîne Poupée Kinky. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer la première partie de mes plats pour la semaine. Donc, j'ai pas pu finir tout. Il me manquait des éléments, vous allez le voir. Mais la grosse partie a été faite. Vous allez voir comment je m'organise. Pour le soir, c'est pas très compliqué. Le midi, ça a été complet, mais le soir, ça n'a pas été complet. Vous comprendrez tout lorsque vous verrez la vidéo. J'espère que vous apprécierez. Mettez un petit pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo où je vous montre ce que je mange dans la semaine, les quantités, comment je prépare. Et puis voilà, je vous laisse regarder. Voici ce que j'utilise, des légumes surgelés. C'est facile, c'est rapide, ça se conserve bien. Je le fais à la vapeur. D'ailleurs, j'ai déjà cuit une partie des haricots verts, mais il n'y en aura pas assez. Donc, je vais préparer les légumes surgelés. Voilà le programme et aussi mes petits déjeuners. Donc, il faut que j'aille acheter des flocons d'avoine. Et sinon, j'ai le reste des choses à la maison. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais assaisonner vite fait mon poulet. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps de faire mariner mon poulet la veille. J'ai vraiment la flemme. Donc voilà mes épices volailles. Donc je mets dans mon bol. Je viens de rincer mes filets de poulet. Donc ils se trouvent juste ici. Je mets dans mon bol comme ça. Voilà, tout simplement. Et je roule la viande dedans. Donc j'ai bien rincé à l'eau le poulet. Et là je vais l'assaisonner. Et je vais préparer autre chose. Ou je vais aller acheter plutôt mes flocons d'avoine pour les petits déjeuners. Donc l'assaisonnement d'Auchan contient déjà du sel. Donc j'évite de rajouter du sel. Même si j'aime le sel. Voilà. On essaye de limiter la quantité de sel pour... éviter de faire de la rétention d'eau. Je vais malaxer tout ça. Je vais mettre au frigo. Le temps de faire autre chose. Les haricots verts, je vais en remettre dans mon cuiseur vapeur qui est juste ici là. Et c'est très simple. Hein. Je mets de l'eau dans le cuiseur vapeur. Je mets à tourner. Et voilà, mes légumes sont prêts. C'est vrai que je ne fais pas d'assaisonnement spécifique. En plus, il fait chaud, donc je mange mes haricots verts à la vinaigrette. Très, très simple. Voilà. Je fais vraiment des choses simples. Je ne me complique pas la vie. Voilà. Je trouve que c'est les choses les plus simples qui réussissent le mieux. Je vais attacher mes cheveux quand je reviens pour cuisiner mon poulet. Le riz est déjà prêt, les légumes vont être cuits. Bon, ça va aller très vite. Je reviens quelques heures plus tard. J'ai dispatché mon poulet dans cette bol pour les 7 jours à venir. Même si la semaine a déjà débuté, ce n'est pas grave. Il me reste encore du poulet. Je ne vis pas toute seule. Du coup, le reste de poulet, j'ai mis dans un grand bol comme ça. J'ai juste rajouté un peu de sauce barbecue
pour un peu plus de goût poulet façon barbecue. Mes haricots verts, donc là c'est la première tournée, il y a une deuxième tournée d'haricots verts parce que 1 kg d'haricots verts ça nous fait à peu près la semaine à deux. Donc là j'ai fait un sachet et demi. Et s'il y en a trop, je vais mettre au congèle. Je vais répartir déjà les haricots verts que j'ai déjà cuits. Je vais répartir aussi le riz dans les bols. Je mange le riz que le midi. Et je vais commencer à préparer mes petits déjeuners avec les flocons d'avoine, mes blancs d'œufs, mes œufs et bananes. C'est une recette que j'ai déjà mise sur Instagram. Je vous la remets là. Je continue, je dispatche. Et pour le soir, je vais préparer tout ce qui est poisson. Donc il me restait deux blocs de poisson comme ça. Poisson à la sauce tomate que j'ai acheté au champ. Donc je vais les faire cuire, mettre dans des bols. Pour l'instant j'en ai que deux. Donc il m'en faut d'autres. Je pense que je vais acheter du poisson demain. Que je vais préparer, que je vais mettre dans des bols. Mais bon, vous aurez un aperçu sur mes plats de la semaine. Voilà. Allez, je continue. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Bye.